Donc là, je vais vous proposer des routines. En fait, ce sont des espèces de routines dans le travail d'appui. Séance que je fais particulièrement dans mes cours de boxe au SUAB, que ce soit en boxe française ou en boxe anglaise. Voilà, notamment en guise d'échauffement. Ici, on va s'en servir comme base technique, avoir de bons appuis. Et effectivement aussi, ça peut avoir un intérêt dans un travail cardio. Voilà, donc cardio, comme faire de la corde à sauter, sauf que bon, faire de la corde à sauter, c'est bien. On va être champion du monde de corde à sauter. Ça permet de travailler le cardio, ça permet de travailler les appuis, mais il faut pas s'arrêter qu'à ça. Voilà, donc là, je vais vous proposer un premier exercice qui est le travail du carré. Pour le travail du carré, hop. Le but du jeu, à partir de la pointe de départ, ça va être de faire un pas glissé, deux pas glissé, trois pas glissé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je suis revenu à mon point de départ. Je fais la même chose dans l'autre sens. Donc là, je l'ai fait avec une position de garde. En tant droitier, j'ai la jambe gauche devant. Le but du jeu, c'est de faire un carré complet en aller-retour, revenir à son point de départ, dans sa garde. Le coup d'après, on fait la même chose, mais en fausse garde. Donc dans le sens horaire, en garde, anti-horaire, en garde, dans le sens horaire, en fausse garde, anti-horaire, en fausse garde. Dans sa garde, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, toujours dans sa garde, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je change de garde et même chose, horaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je change, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça, cet exercice-là, à faire pendant 2 minutes en circuit. Voilà, donc 2 minutes de carré, sans rien, juste de la protection de l'attitude au niveau des mains et en étant bien à l'aise sur ses appuis. Au fur et à mesure, on pourra aller un peu plus vite. On fait 2 minutes comme ça, 30 secondes de pause et on repart sur la même chose pendant 2 minutes, mais cette fois, à chaque coin du carré, on va greffer un enchaînement de bras. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est des enchaînements libres. Nous, on va se resservir de ce qu'on a fait la dernière fois. On fera frappe à main ouverte. Frappe à poing fermé, Krav Maga. Ça sera un enchaînement possible. On fait le carré complet, horaire, anti-horaire, en garde, en fausse garde, ce qui fait 4 trajets de carré à faire, et après on change d'enchaînement. Après on fait crochet, crochet, percute, percute. Que du travail de poing pour l'instant. Donc ça donnerait ça. Pendant 2 minutes, dans ma garde, je pars du carré et je commence. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3, 2, 3, je change de sens. 1, 2, 3, 2, 3, 3, change de garde, même chose. 1, 2, 3, 2, 3, trempé, c'est pas grave. Change de sens sans changer de garde. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ok, donc là on a mis le premier enchaînement, on le fait avec le deuxième enchaînement. Dans ma garde. 1, 2, 3, crochet, crochet, percute, percute. 3, crochet, crochet, percute, percute. Change de sens. 3, 2, 3, 2, 3, change de garde, c'est reparti. 2, 3, 2, 3,
suite, et ainsi de suite pendant 2 minutes. Du coup, ce travail qu'on a fait avec les points sur le carré, on peut très bien envisager de le faire avec des pieds. Alors, les pieds, il y a plusieurs façons de faire, hein, plusieurs techniques possibles. Même chose, vous greffez 4 techniques de pieds, 3 ou 4 techniques, 2 si c'est trop compliqué, et on circule dans le même sens, horaire dans sa garde, anti-horaire dans sa garde, horaire en fausse garde, anti-horaire en fausse garde. Et on enchaîne comme ça les 4 carrés à la suite pendant 2 minutes. Donc ça pourrait donner ça. De la position neutre, je mets d'abord la jambe arrière, suivi d'un kick, donc ça ferait un pied repoussant, reposé derrière, kick, ou éventuellement coup de pied repoussant, posé devant, repoussant en middle, d'accord? Donc ça peut être pousse, repas, kick, ou alors pousse, repose devant, pousse et revient derrière. Ok? Donc ça ferait ça. On va commencer d'abord par la jambe arrière. 1, 2, 3, 4. Je glisse. 1, 2, 3. Jambe arrière. Repoussant. Kick. Repoussant. Et pousse. Déplacement. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et je change de côté. 1, 2, 3. Donc là, sur cette vidéo, on a fait un type de déplacement à base de pas glisser sur un carré, en explorant l'espace avant, les espaces latéraux et l'espace arrière, en essayant d'être disponible et équilibré sur tous les déplacements et de pouvoir enchaîner avec des frappes à l'arrêt. Voilà. Concrètement, on parlait de disponibilité technique et de disponibilité tactique. Alors, à quoi ça peut servir ce type de déplacement? Bah, tout simplement, on imagine qu'il y a quelqu'un qui nous arrive dessus. Eh bien, sur un simple déplacement comme ça, si on anticipe un petit peu la chose, on peut très bien esquiver la personne qui nous fonce dedans juste avec un déplacement. Donc, disponibilité technique et tactique. Techniquement, je suis capable de faire ça. Donc, d'esquiver quelqu'un qui me foncerait dedans en protection et peut-être de lui mettre une frappe au passage. Voilà. Un autre type de déplacement, et on le verra dans la prochaine vidéo, à partir des déplacements circulaires, on peut très bien conjuguer un déplacement latéral avec un déplacement circulaire pour trouver encore d'autres techniques possibles et d'autres cibles possibles. À savoir, je peux très bien faire un déplacement latéral, suivi d'un déplacement circulaire pour m'ouvrir d'autres possibilités. Quelqu'un l'éviter, et en même temps que je fais mon déplacement latéral, je peux tourner. Ce qu'on appelle le compas en boxe anglaise. Un compas, 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 compas. Donc là, on peut conjuguer ça plus ça. On sort de l'axe, on contourne et on frappe. Sort de l'axe, contourne et frappe. Sort de l'axe, contourne, frappe. Sort de l'axe, contourne, frappe, 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 frappe.